c'est parti pour une étude du Square Punch Quattro. 4 coups de poing sur un déplacement en carré. Alors bien évidemment, ça n'a aucune utilité en karaté traditionnel. On ne se déplacera jamais comme ça dans un combat de karaté. C'est uniquement une utilité fonctionnelle, une utilité physique en body karaté. On travaille énormément les cuisses sur cet enchaînement, puisqu'on plie les genoux énormément en faisant ce déplacement en carré. Et on travaille également énormément les abdominaux, les obliques, puisqu'on travaille en tournant les hanches sur chaque coup de poing. Alors regardez bien sur ce plan, à chaque fois je croise mes frappes, je cherche à frapper très loin sur les côtés, et j'engage mes hanches, j'engage mes obliques, justement pour bien travailler ma taille. À chaque fois, c'est un bras opposé à la jambe avant. Là, regardez bien, bras gauche, jambe droite devant, là, bras droit, jambe gauche, et j'alterne à chaque fois. Et vraiment, je tourne mes hanches pour vraiment avoir un travail au niveau des abdominaux important. C'est ce qu'on voit un peu plus sur ce plan-là. Donc, j'avance tout droit, mais par contre, je tourne vraiment mes hanches, je mobilise complètement mes obliques. Sur ce plan, regardez bien, je vous montre le déplacement avec les pieds. Donc, on fait vraiment 4 pas, 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Et à chaque fois, on alterne. Regardez bien, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Ensuite, sur ce plan-là, même chose, le déplacement. Par contre, on va penser à une chose très importante, c'est de garder le corps à l'aplomb des jambes. C'est-à-dire que je ne penche pas mon buste en avant. Surtout lorsque je prends de la vitesse, je fais attention à ne pas trop me pencher en avant. Il existe des variantes sur ce Square Punch Quattro. Ici, je vous en montre une. Donc, on garde les deux premiers coups de poing. Par contre, on fait deux clap-clap sur les temps arrière. On garde les coups de poing. Ici, encore une autre variante, des clap-clap sur les côtés pour travailler les obliques. Et ici, clap-clap en haut, au-dessus de la tête, ce qui demande un peu plus d'effort. Autre variante très intéressante, travail de coordination entre le haut et le bas du corps. Sur le temps arrière, je monte les bras, puis je tire les poings aux hanches. Là, c'est intéressant pour la synchronisation. Et enfin, pour terminer, je vous remontre le Square Punch Quattro dans son intégralité. Les 4 coups de poing en avançant, en reculant. À vous maintenant !